Voici 10 bonnes raisons pour lesquelles vous êtes certainement très détesté dans votre entourage ou vous risquez du moins d'être détesté dans votre entourage si vous n'arrêtez pas dès maintenant ces comportements. Vous savez, plein de personnes vous entourent mais n'oseront jamais vous dire la vérité. Et vous vous étonnez en fait que vos relations humaines ne vont pas souvent loin et que vous n'arrivez pas à établir des relations sur de long terme. Voici 10 raisons qui peuvent être à la source de vos problèmes. La première raison est que quand vous arrivez chez les gens en tant qu'invité, les pièces épargnées pour des invités sont souvent pour des invités de passage. Quand vous y arrivez, faites votre séjour et partez tranquillement. Le but, c'est pas de vivre dans la maison d'autrui, surtout gratuitement. Numéro 2. Quand vous empruntez de l'argent aux gens, payez toujours vos dettes à temps. Du moins, si vous n'arrivez pas à payer à temps, le moins que vous puissiez faire, c'est de prévenir avant la date. 3. Reconnaissez toujours le travail bien fait des gens, le temps que les gens vous accordent. Ils ne sont ni vos enfants, ils ne sont pas à vos services. Quand une personne prend le temps de vous accorder un service, ayez au moins la sagesse de reconnaître ses actes. C'est aussi ça la grandeur. 4. La façon dont une personne gère ou dépense son argent qu'il a durement travaillé pour gagner n'est pas forcément votre problème. Mêlez-vous plutôt de ce qui vous regarde. C'est une des raisons qui fait que vous ne vous entendez pas souvent avec les gens. 5. C'est le fait d'être extrêmement curieux sur la vie des gens. Vous voulez absolument tout connaître sur la vie de votre voisin, de votre copine, si cela. C'est un des comportements les plus toxiques. On vous invite dans un débat, on ne vous invite pas dans le débat. Vous vous y mettez, vous donnez votre avis sans leur accord. 6. À partir de vos 18 ans, sachez que vos parents ne sont plus vos partisans financiers. Dépendez de vous dans beaucoup de cas. Ne cherchez pas quelqu'un sur qui vous accrochez. Apprenez à cultiver de l'indépendance financière. Apprenez à cultiver de l'indépendance tout court dans votre vie. 7. Quand vous montez dans la voiture des gens et que vous leur demandez de faire un tour avec vous ou de vous accompagner quelque part, sachez que l'essence n'est pas spécialement gratuite. Et la personne n'utilise pas forcément du sable pour vous y amener. Faites un geste. Ça s'appelle de la grandeur. Ça s'appelle de l'intelligence émotionnelle. Ne passez pas votre vie à tendre la main. Numéro 8. Quand une personne vous annonce qu'elle ne se sent pas bien ou qu'elle est malade, ne cherchez pas à savoir ce qu'elle a. Ne demandez pas ce que dit le médecin ou ce que disent les examens sur sa maladie. Non, ça ne vous regarde absolument pas. Quand une personne ne se confie pas à vous concernant sa maladie, espérez que tout aille bien. Ne cherchez pas du tout à savoir qu'est-ce qu'elle a, qu'est-ce qui ne va pas. Ça relève d'un manque d'élégance totale. Numéro 9. Arrêtez de vous attaquer au physique des gens. Arrêtez vos remarques bidons sur les physiques des gens. D'ailleurs, tu as très grossi, tu as très maigri. D'ailleurs, je ne savais pas que c'était comme si. Si seulement vous saviez combien de fois cela peut être très frustrant. C'est le type de personne d'ailleurs qui augmente le doute sur la confiance personnelle. Surtout quand il s'agit d'une personne qui n'a pas cette confiance assez solide. Tu commences à douter de ton apparence physique. C'est un comportement très toxique. Le dernier numéro, arrêtez de prendre les gens qui vous aiment pour acquis. La preuve en est qu'une personne peut être follement amoureuse de vous aujourd'hui. Demain, vous voir comme si elle ne vous a jamais connu dans son passé. Rien n'est acquis. Le changement est la seule chose qui reste très constante dans la vie de l'être humain. Parfois, faites preuve de sagesse. Ne prenez pas les gens, les choses, les matériaux, tout ce que vous avez pour acquis. Donnez l'importance de chaque humain qu'elle mérite. Donnez la place de chaque humain qu'elle mérite en fonction des valeurs qu'il vous accorde. Mais ne faites jamais de prendre les gens pour acquis sous prétexte qu'ils vous aiment à l'aveugle aujourd'hui. De la même manière que le temps change, c'est de la même manière que les gens changent. Ciao.